L'Ukraine achètera environ 60 obusiers d'artillerie automoteurs polonais AHS Krab, en plus des 18 déjà livrés par la Pologne. Cela a été reporté par le journal polonais Dziennik, rapporte European Chief. Bonjour mes amis. Comme on le voit, il y a des bonnes nouvelles pour l'Ukraine et des très très mauvaises nouvelles pour les racistes. Je m'appelle Igor et je suis ukrainien, qui vous présente l'actualité ukrainienne et plus encore. Selon la publication, un accord a été signé mardi sur trois autres parties, soit environ 60 obusiers capables de toucher des cibles à une distance allant jusqu'à 40 km. Les armes seront fabriquées à l'usine de Guta Stalowa Wola, qui fait partie du groupe d'armement polonais. Les livraisons seront effectuées dans les prochains mois. Actuellement, la capacité de production est de 20 à 30 unités par an. La valeur de la transaction est d'environ 3 milliards de zlotys, environ 700 milliards de dollars. L'Ukraine est devenue le premier client à l'exportation de ce type d'équipement. Selon le ministère polonais de la Défense, l'artillerie automotrice de 155 mm pèse environ 48 tonnes et peut toucher des cibles à une distance de 40 km, tirant jusqu'à 6 obus par minute. Le châssis du chenille est fabriqué sous licence coréenne et le pistolet est une modification des armes britanniques. C'est une sorte de percée pour la défense polonaise, car le pays n'a pas eu de contrat d'exportation aussi important depuis de nombreuses années. Une tour de licence de l'obusier britannique AS-90 est utilisée dans la production. Longueur du canon 52 calibre et la plateforme sud-coréenne du K-9 Thunder a été choisie comme châssis. Il est indiqué que la portée effective des tirs est de 30 km et que le maximum est de 40 km. La question des munitions reste un problème, car l'industrie polonaise n'est toujours pas en mesure de la fabriquer elle-même. Les munitions pour Ukrainiens seront probablement fournies par les Américains. L'idée d'introduire une nouvelle artillerie dans l'armée polonaise est apparue au début des années 1990. À la suite de l'analyse, il a été décidé d'apporter une installation d'artillerie automotrice de 155 mm. Parmi les armes qui sont arrivées en Ukraine depuis la Pologne, il y avait environ 250 chars T-62, des obusiers automoteurs 20S1 Gwoździk et des unités d'artillerie à réaction Grad. La Pologne a également fourni des missiles l'air-l'air pour les avions MiG-29 et Su-27. En plus des équipements lourds, il existe également des drones fabriqués par la Pologne VB Electronic. Manpads, Pirun, la Pologne fournit également à l'Ukraine une grande quantité de munitions. Conclusion. Nos frères polonais ne nous ont pas abandonnés à un moment difficile. Ils comprennent que les racistes ne s'atterreront pas en Ukraine. Ces monstres qui ont goûté le sang et dans leur tête une seule chose, c'est de tuer encore et encore. Ils ne sont plus humains et ne pensent pas qu'ils vont changer. J'ai une vidéo sur leurs crimes à Boutcha et Irpin. Je vais vous laisser une vidéo. J'ai aussi un télégramme pour les nouvelles. La gloire de l'Ukraine. Et nous avons besoin de votre aide. Merci beaucoup. Au revoir. Працює артилерія і башать пацани.